Oyez, braves gens, bonsoir. Je vois que nous sommes entre armateurs d'histoire. Je voudrais en raconter quelques-unes à la faveur de vos oreilles. Pénétrez vos orifices oculaires de sorte d'abracadabra en conte macabre. Pas de mystère. L'issue sera sombre et sans suspense. Pas de happy hand, pas de belle gueule, pas de belle gueuse, ni de coup de flingue. Sans la précision de l'incision de la balle dans la chair. Sans que l'image ne t'apparaisse présente et claire, nous souhaitons l'attention de la lecture. L'oratoire aujourd'hui est à portée de chaînes et des milliers de parasites polluent notre panorama de lutte sensorielle. Le disque est un livre en boîte de conserve et putain, c'est la malbouffe jusque dans les transistors. On vend juste quelques tranches de vie inventées sur fond de blues, le spleen en tenue de soirée. Une pause dans cette enfance qui s'attarde et qui accroche mes deux mains comme au coup d'un premier baiser. Quitte à vivre quelque chose ensemble, autant se faire souffrir dès le début. L'ombre dirige peut-être ce que nous croyons être éclat et nous fleurissons en maintes habitudes de maltraiter nos personnages. Notre parchemin se déchiffre sous le filtre des projecteurs et des lumières artificielles. Une guerre contre les bataillons de mimes à la porose et aux yeux soulignés, tous dans la même rengaine. Et même si notre univers est sombre au fond, c'est de l'amour que l'on promène. C'est de l'amour que l'on promène. Elle accroche le panneau sans interdit en coupant par le bas-côté. Puis au plancher dans l'échangeur, Eva s'enfile une longue rasade de 8-6. L'autoroute est déserte, l'aiguille monte en flèche. 110 à l'heure sur la file de gauche. Un flot continu de larmes acides se déverse sur son ventre arrondi. L'impact se défile, encore quelques minutes. Tenir encore quelques minutes. Revivre encore quelques souvenirs.